Dominique Lamoie, Pascal Gingras et Olivier Langevin. Bref, moi et mes musiciens et Benoît Dion, le technicien de son. Nous avons traversé le pont Papineau avec nos instruments. Nous nous sommes plugués d'une prise d'électricité d'un café étudiant de Laval. Dès qu'on a commencé à jouer, leurs mines dégoûtées nous ont révélé qu'ils n'avaient jamais entendu ça dans leur centre d'achat. Les grimaces qui apparaissaient dans leur face et trahissaient leur ignorance crasse étaient autant de symptômes du syndrome de la ville du Cosmodôme. Une chose qu'on a vite compris au cégep Montmorency, c'est que le monde civilisé s'arrête à la rivière des Prairies. Au nord tout même, quel de poulet, stationnement, centre d'achat, Budweiser, bungalow, concessionnaire, etc. À gauche de la scène, deux grosses obscènes se faisaient aller les fesses. Une chance, vous dites, qu'au moins une vitre les séparait de l'orchestre. Soudain, l'une d'elles qui n'avait rien pour elle que l'énormité de ses mamelles se frotta la poitrine contre la vitrine en bavant comme une grosse coquerelle. Gingras sentit son ange ingrat prendre de l'expansion. Et Benoît Dion, le Godson, eut presque une demi-érection. Dominique Lanois creusait la noix et Olivier Langevin vint. Mais ses bobettes étaient déjà sales, c'était pas grave à Laval. J'ai appris par après que Pascal Gingras, notre batteur fringant, s'était payé une passe avec la grosse grosse. Oh, comme c'est dégoûtant! Cette petite fête avec celle qui se frottait sa vitre ne me fera pas lui chercher un remplaçant. Bill Clinton a fait bien pire, il est toujours président. Que son cesson de suçon dans la toilette des garçons. Serait-ce cette conne qui leur siphonne à sa façon? Elle plaint les Éthiopiennes qui n'ont jamais la bouche pleine. Elle n'attend jamais votre aval et elle avale à Laval. Un univers de casquettes à l'envers, jamais sur les ponts. Un monde de nouveaux développements immondes et de tondeuses à gazon. On ne va pas jouer devant de pareils tarés en s'écriant hurrah! Mais si vous allongez les bidous, on y retournera. Pourquoi faudrait-il qu'on s'en cache? On fait ça pour le cash. Avec l'aide d'un programme de subvention à la chanson. Mais la sauce est que le gouvernement du Québec devrait faire un constat d'échec. La chanson, les jeunes s'en sacquent pas mal, surtout à Laval.